Elle restait bloquée toute la nuit. Solange, voilà, donc ce film qui vous parle d'une jeune femme qui a eu un accident de voiture et qui malheureusement a perdu l'usage de ses jambes. Comment je me suis préparée au rôle ? Il y a le texte, il y a le scénario, mais il y a aussi pas mal d'improvisation. Et donc c'est sûr que si on ne sait pas ce qu'on veut faire dire au personnage, et surtout émotionnellement, ça veut strictement rien dire ce que j'ai dit, mais si vous m'avez compris, c'est-à-dire que je suis partie du scénario à essayer de comprendre le personnage combiné à de l'improvisation. Voilà, si ça match, c'est que ça a marché, si ça match pas, c'est que j'ai mal fait mon travail. Beaucoup de temps de tournage, mais une bonne équipe technique et... Et de réalisation aussi, faut le dire. Hey, on s'en va dans les îles. On va manger les pommes et on va à la chasse aux papillons. Je suis Aurélien Ménard, je suis caméraman sur le film créé autour d'une histoire vraie. Un de mes amis personnellement a vécu. Camille. On m'appelle Camomille. Enfin, Aurélien m'appelle Camomille, mais du coup tout le monde m'appelle Camomille. Je suis principalement en script. Qui est compliqué et que je ne maîtrise pas du tout, mais c'est quand même ce que je fais. Gros plan sur le stylo qui écrit sur une page vierge. Avec toi, c'est un rack. Ça ne veut pas dire non. Ok. Heureusement que tu vérifies. Il n'y a pas de carte tête dedans. Ah ! Vous allez vous blesser. Vous avez accumulé tout le choc de l'accident. Je vais être franc, la colonne vertébrale a été touchée. Les séquelles sont irréversibles. Un jour je t'apprendrai, jeune apprenti. Un jour je t'apprendrai, jeune apprenti. Pardon, je préférais celle d'avant par contre. P. Ouais, c'est juste ça, on la lance pas, on continue pas là. C'était hyper sensuel. Ça te plaît? Le premier était mieux. Ouais. Bah du coup, c'est une fin de tournage. Ça y est. Ouais.